Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, c'est mercredi. Alors, je le rappelle pour ceux qui ont raté l'information de la semaine passée, d'habitude le mercredi c'est les tirages Le Normand. Sauf que là, je les décale au dimanche, hein, parce que j'attire un petit peu moins de monde, comme c'est du tirage général qui peut être également sentimental, mais bon. Voilà, donc là je les décale au dimanche, là où le jour où on est un petit peu en plus petit comité. Voilà. Je les supprime pas, je les déplace juste. Là, aujourd'hui, mercredi, ce sera donc un tirage complètement sentimental. Voilà, ne vous en faites pas, je fais du sentimental également aujourd'hui. Pour ça, je vais utiliser un Le Normand, bien sûr, le Normand de Noël. Voilà, je vais vous le montrer un petit peu à la caméra. Et puis, ce sera un tirage en 9 cartes. Hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous raconter sur le plan sentimental. Voilà, le Normand de Noël. Voilà. Aujourd'hui. Bon, allez, on est parti. Assez de blabla. Place aux cartes. Alors. Donc, les guides, s'il vous plaît, tirage en 9 cartes, qu'avez-vous à dire là, sentimentalement parlant? Qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai des messages annexes. Hein. Ah, nanana, c'est la fin des ennemis. Bon, eh ben, écoutez, tant mieux. Voilà, c'est la fin des ennemis, et puis il y a un renouveau hein, qui arrive. Je dirais même que votre autre peut se déplacer également jusqu'à vous pour vous annoncer. Alors là, je suis plutôt dans les triangulaires, mais il peut se déplacer jusqu'à vous pour vous dire, ça y est, c'est terminé avec la tierce. Voilà, clairement. Donc ça, c'est plutôt les bonnes nouvelles là pour les triangulaires. C'est la fin des rivaux, des rivales, hein, clairement. Il y a une forme de libération. C'est je m'en vais, je quitte une situation. Et en tout cas, il y a un déplacement pour venir vous annoncer que bah, vous êtes sa priorité, quoi. Vous êtes désormais sa priorité et que c'est la fin de la tierce. C'est la fin de... Il y a rupture. Hein. Il y a une rupture. On vient de vous annoncer une rupture. Mais de manière positive. Hein. Attention, c'est pas... Il va venir pour vous annoncer « Je vais rompre avec toi ». Non, on vient de vous annoncer « C'est la fin des énergies tierces. C'est la fin de tout ce qui est toxique. C'est la fin... voilà, j'ai rompu avec tout ce qui nous empêchait d'être ensemble. » J'ai rompu avec tout ce qui nous empêchait d'être ensemble. Voilà, d'une manière très très large. Bon, message annexe, hein, on est plutôt pas mal. Hein. Ok. Alors. Ouais. Il s'est retrouvé un petit peu, là, votre autre, hein, il s'est retrouvé un petit peu à la croisée des chemins. Et les guides sont en train de me dire en canalisation, il a fait le bon choix. Ça y est, il est de nouveau sur le bon chemin. Le masculin est enfin et de nouveau sur le bon chemin. Les masculins peuvent inverser également. Hein. D'ailleurs, il y a eu des choix de fait, mais qui vont dans le bon sens. Bon, qui vont dans votre sens, d'ailleurs. C'est ce que là, les guides me disent en canalisation. Bon, ben, on est carrément pas mal. Ouais. Vous allez en être informé. Hein. Ah ouais, non mais là, non mais c'est magnifique. Hein. Ça va discuter projet aussi, hein, de projet sur la longue durée, etc. Ça va en venir en parler. En tout cas, vous pouvez même en être enfermé de cette évolution de votre autre hein, par des tierces personnes. Hein, ça va arriver jusqu'à vos oreilles. Ce n'est pas éphémère, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est un changement, c'est une direction qu'il prend qui n'est pas éphémère. Ça va dans le bon sens, mais vraiment pour durer. Hein. Bon, bah c'est bien, c'est bien. Bon, j'aime bien moi, vous annoncer des bonnes nouvelles, là. Ouais, ça insiste sur ce message-là, ce ne sera pas éphémère, ce sera sur la durée. Et ça va arriver à vos oreilles. Ça peut être d'une manière détournée, hein. Ça peut être voilà, hein, des amis en commun qui vous informent. Alors, j'ai un autre message annexe, là, il y en a une. Ouais, mais vraiment, hein, ça insiste là-dessus. Hein. Ça insiste là-dessus. Hein. C'est la fin de tous les soucis, là. Hein. Il y a un côté aussi où votre autre s'éveille à sa propre spiritualité aussi. J'ai ça aussi en message annexe. Je vous transmets. Allez, je ferme ma coupe. À la coupe, on a quoi? Allez, c'est enfin la fin des soucis. Bon, bah tant mieux. Il va y avoir un véritable coup de chance. Il va y avoir un éclaircissement. C'est la fin des soucis. C'est la fin de la tempête. C'est la fin des embrouilles également avec votre autre. Il y a un véritable coup de chance là qui se prépare. Vous allez recevoir l'abondance après une période un petit peu de vraiment de ouais, qui a été vraiment très perturbante, une période très très perturbante sur le plan émotionnel, c'est ce que je ressens. Il y a un véritable coup de chance qui arrive.
véritable coup de chance qui mettra fin à cette perturbation, qui mettra fin à cette tempête, qui mettra fin à toutes les embrouilles que vous avez eues avec votre autre. Bon, et ben alors là, c'est plutôt la bonne nouvelle, hein. Allez, je vais faire mon tirage en neuf. Tac, je vais essayer. Je vais peut-être baisser un peu ma caméra. Vous voyez bien les cartes. Voilà. Ah, elles sont grandes celles-ci. Alors, vous n'allez même pas toutes les voir, mais je les montrerai à la caméra, comme d'habitude. C'est pas un problème. Alors, qu'est-ce qu'ils ont raconté, la Lilith? Le cœur. Au centre, on a le cœur. On a le cœur. On a vraiment la fin des embrouilles. Ça y est, vous allez retrouver votre autre, quoi. Mais clairement, alors, j'ai plusieurs messages. Hein. Alors, pour tout ce qui est couple sacré, etc. Là, vraiment, le mois de décembre, ça va bouger pour pouvoir en réunir le plus possible. Ils sont en train de me dire, non mais c'est magnifique. Ils sont en train de me dire, là-haut, oui, ça va être le miracle de Noël. Hein, pour les couples sacrés, entendez par là, les partenaires de vie, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Hein, d'accord. Donc on est plutôt là-dedans, couple sacré. Là, le mois de décembre, ça va, ils vont essayer d'en réunir le plus possible. J'ai le cœur en plein centre. Mais également, j'ai des messages également pour les célibataires. Les célibataires ne vont plus être célibataires très très longtemps. Ils vont retrouver une histoire d'amour. Ils vont retrouver leur autre. Et puis, on parle de belle histoire, là. On parle vraiment, c'est pas le coup d'un soir, là. C'est pas, voilà, j'ai un peu trop picolé à Noël ou à Nouvel An. Hein, et donc du coup et à regretter ce qui se passe le lendemain matin en se disant mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, qui est cet inconnu dans mon lit, hein. Non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, il y a des véritables histoires d'amour là qui vont démarrer ou qui vont reprendre, c'est ce que les guides sont en train de me dire, il y a des histoires d'amour qui vont démarrer ou qui vont reprendre. Bon, j'aime bien, super. Bon, ça se passe la nuit, vous allez avoir des messages la nuit, hein, concernant, mais vraiment, les guides sont en train de me dire, on leur donne beaucoup d'informations parmi dans leurs rêves. Prêtez attention à vos rêves, il y a des signes pour vous, d'accord, ils sont en train de me dire, on est en train de vous aiguiller sur qui est la véritable bonne personne pour vous, prêtez attention à vos rêves, d'accord, il parle à votre âme, il parle à votre cœur, il parle à votre âme dans vos rêves. Pour vous aiguiller sur le chemin de votre cœur, déjà, mais sur le chemin de l'amour, sur le chemin de votre autre. Hein, entendez par là, quand là je dis votre autre, pour le coup, c'est partenaire de vie. Hein, c'est partenaire de vie, en tout cas, très très belle histoire d'amour durable. Voilà, pas coup d'un soir là, hein, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. C'est la fin des difficultés, hein, vraiment, ça y est, hein, on a grimpé le sommet de la montagne, et là, comme on peut le voir là, par rapport à ses enfants, ça y est, on a, une fois qu'on a monté la luge tout en haut, on peut savourer le plaisir de la descente, hein, clairement, c'est un petit peu ça. Ils sont en train de me dire également que ça va être, sur un plan émotionnel, ça va être les montagnes russes. C'est-à-dire, voilà, ça va être très très fort, émotionnellement parlant, ça va on va passer du rire aux larmes, mais ce sera tellement fort, voilà, émotionnellement, que vous allez avoir l'impression d'être sur les montagnes russes. Oh, sympa, génial, j'adore. Alors, ça demande encore un petit peu de travail. Là, d'habitude, cette carte-là, elle est assez négative, mais là, en l'occurrence, c'est l'univers qui est en train de vous dire, les guides qui sont en train de vous dire, nous avons plus d'entour dans notre sac, nous sommes très rusés, et vous allez être surpris de la manière dont nous allons réussir à vous réunir. Magnifique. Je transmets telles qu'elles sont. Vous allez en avoir des nouvelles, ça va se concrétiser dans la matière. Vous allez même sourire. Avoir un clin d'œil, un sourire face à l'univers en vous disant « Ah ouais, malin l'univers ne cessera jamais de me surprendre. Hein. » Clairement, c'est un petit peu ça, mais vous allez en avoir des nouvelles. Ça va réellement se concrétiser dans la matière. Il y a aussi un côté où votre autre va essayer de vous transmettre des nouvelles de manière discrète. Hein, d'accord ? Mais il va... Ouais, d'accord. Alors, là, en canalisation, les guides sont en train de me dire... Il y en a certains, ils vont essayer de venir prendre un petit peu de la température. Hein, ça, c'est, voilà, reprise d'amour, renouveau, voilà, on remet un petit peu ça. Donc là, c'est pour ceux qui ont été séparés, mais qui n'avaient pas lieu de se séparer et qu'il faut qu'ils soient de nouveau réunis, hein, clairement, c'est un petit peu ça. Il y a un côté où votre autre, la personne de votre cœur, va venir prendre un petit peu la température. Hein, voilà, si c'est faisable ou pas, hein, ce retour, hein, il y a vraiment ce côté-là.
y a un côté, il y a un côté très festif. Il y a un côté, vous allez regagner en popularité dans le cœur de votre autre, et votre autre va regagner de la popularité, de la notoriété dans votre cœur. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Il y a aussi un côté, là où il va y avoir beaucoup de monde. Ouais, d'accord. Les gars sont en train de dire, ouais, on met le paquet. On met le paquet, on est nombreux à travailler là-dessus, à réunir les couples, hein, les couples, l'amour. Voilà. Ils sont nombreux sous la bannière de l'amour. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Nous sommes nombreux sous la bannière de l'amour et l'union fait la force. Bon. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu ça. C'est qu'ils sont en train de travailler là-dessus pour en réunir le plus grand nombre. De toute façon, c'était le message que j'avais avec cette carte au centre-là du cœur. S'il y a une très très belle, il y a de vraiment, il y a de très très belles surprises, mais voilà, ça rejoint là, ce côté montagne russe, etc., etc. Ça va être des sensations fortes. C'est le véritable amour, là, ça rigole pas du tout. C'est les belles surprises de la part de l'univers. Vous ne pourrez que les remercier, quoi. Vous ne pourrez que remercier l'univers. Vous ne pourrez que remercier les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière. Enfin bon, bref, vous les appelez comme vous voulez, mais ils sont tous là de toute façon. Donc, quels que soient vos croyances, ça n'a absolument pas d'importance, mais il y a de vraies, vraies, vraies belles surprises sur le plan sentimental qui sont en train de se préparer. Et votre cœur, pour mettre votre cœur réellement en joie et de vous réunir à votre autre. Bon! J'aime bien, moi, quand ça se passe comme ça. Mais vraiment, hein, mais vraiment, 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 hein, ça met le paquet, hein, pour quelque chose de durable. Suite à une situation où il y a eu, d'ailleurs, ils sont en train de préciser un petit peu plus ces situations, où il y a eu du froid, hein, d'accord? Mais là, en l'occurrence, ça va réellement se réchauffer. Et puis retrouver une certaine fidélité, loyauté, mais quelque chose de durable surtout. De retrouver confiance. Hein. Il y a une histoire aussi de retrouver confiance. Là. En l'amour, en votre autre, voilà, et en votre et dans le couple. Oh, ah ouais, non, mais c'est magnifique, quoi. Pour aller vers quoi? Mais vraiment, c'est la réunion des partenaires de vie, quoi. Réunion des partenaires de vie, ça y est, c'est en chemin. Encore une fois, quelque part. Moi, la semaine passée, le tirage que j'avais, c'est le grand amour est en chemin. Bah là, en l'occurrence, ouais, y a une semaine qui s'est écoulée et on n'a jamais été aussi proche, quoi. On n'a jamais été aussi proche de réunir des partenaires de vie. Ah, super. Bon, bah écoutez, hein, alors là, je peux pas mieux faire. Hein. Je peux pas mieux faire pour vous transmettre là comme message. Ça va être la fin des brouilles, ça va être la fin du célibat, ça va être vraiment, on s'en va vers le grand, 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 grand amour pour réunir les couples sacrés. Hein. Donc c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne maintenant rendez-vous vendredi pour un autre tirage sentimental. Voilà. Allez, plein de bisous à vous tous. Ayez foi, ayez confiance, observez bien les signes de l'univers. Mais là, ça va être sympa comme tout, hein. J'ai hâte de voir ça, hein. Moi, personnellement, franchement, j'ai hâte de voir ça, hein. Allez, ciao, ciao.